À tout à l'heure, Boule. J'y vais, j'ai un rendez-vous pour le travail. Ok, papa. Vas-y, tu vas battre le record, Bill. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. Je peux quand même pas faire gagner un chat. Là, t'exagères. Allez, tous les chats sont pas si méchants que ça. Au secours! Au secours, aidez-moi! Robin! Vite! Dors! De pas toucher à Robin. Merci les amis. Alerte, intrus, alerte, intrus. Non mais tu vas laisser mon chat tranquille, sale cabot. Allez, allez, viens par là. Attaquer un pauvre chat sans aucune raison. Il est enragé, votre chien. Mais non, chère voisine, rassurez-vous. Bill est vacciné contre la rage. De toute façon, s'il avait la rage, il aurait de la bave partout. Mais oui, c'est ça, écoutez-moi bien. Si jamais votre chien revient mettre ses sales pattes dans mon jardin, j'appelle la fourrière. Est-ce que tout va bien, mon caporal? Ok, allez, on ne va pas prendre de risques. On va te faire vacciner. Vacciner? J'ai vérifié dans le carnet de santé de Bill. On a raté son rappel de vaccin contre la rage. Bon, je suis vraiment en retard, là. J'ai appelé le vétérinaire. Tu as rendez-vous pour Bill dans une demi-heure. Allez, je file. Il est passé où? Je veux pas qu'on me fasse un vaccin. Qu'est-ce que ça fait, un vaccin? Ça fait mal. Ah bon? Oui, c'est une piqûre qu'on te fait avec une aiguille grande comme ça. Mais c'est horrible. Ils sont cruels, ces humains. Ma dernière heure est peut-être arrivée. Adieu, Caroline. Attends, j'ai peut-être une idée. Le vétérinaire ne laissera jamais un chien dégoûtant rentrer dans son cabinet. Comment ça, un chien dégoûtant? J'ai pris un bain il y a 6 mois. Oui, j'ai compris. Il faut vacciner mon chat. C'est très urgent. Et quel vaccin vous voudriez lui faire? Tous les vaccins. Bill, Caro, on a le temps de faire une partie avant d'aller chez le vétérinaire. Voilà, voilà. Oh. Oh non, pourquoi tu es plein de terre? Le vétérinaire te prendra jamais comme ça. Dommage. Heureusement, il y a le salon de toilettage juste à côté. Tu vas aller te faire shampouiner avant ta piqûre. Zut, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, tu préfères te laver ici alors? Bon, d'accord. Mais dépêche-toi, hein. Désolé, Boule, mais les chiens aussi ont droit à leur intimité. Dépêche-toi, on va être en retard au rendez-vous, Bill. J'ai presque fini.
Tu es un vrai génie. Pas de rendez-vous, pas de piqûre, pas de piqûre, pas de bobo. Un cupcake au goût savon. Ils s'en foutent, ces humains. Bill, faut vraiment qu'on y aille. Oh non, Bill. Salut. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je trouve une cachette. Non, pas ici. Si Caporal te voit, il va tout faire pour que tu te fasses repérer, c'est sûr. Caporal n'est pas là. Je l'ai vu partir tout à l'heure avec sa maîtresse. Alors dans ce cas, je connais la cachette idéale. Bill, t'es où? Bill! Vous avez vu Bill? Super, allez, venez, on va le chercher. Boule ne pensera jamais à me chercher ici. Ah, enfin tranquille. Décidément, ce vétérinaire ne connaît rien à rien. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire 12 vaccins d'un coup? Enfin, heureusement, on ne l'a pas écouté, hein, Caporal? Alerte, intrus, alerte, intrus. Je le savais, il a la rage. Bill! Bill! Oh là là, on va rater le rendez-vous. Wouhou! Youpi! T'as de la chance, Caroline, les tortues n'ont pas besoin de vaccin. Alors que si Bill ne le fait pas, il pourrait attraper la rage, tu te rends compte? C'est quoi 2 secondes de piqûre comparé à une maladie mortelle? Oh, non, j'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on annule notre plan. Surveille-le bien, mon caporal. J'appelle la fourrière. Ils vont s'occuper de lui pour de bon. Bouge pas, Bill. Attention, je t'ai à l'œil. Quoi? Je savais pas que t'avais du flair, toi aussi. T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop? Non, mais il faut bien qu'on amène Boule jusqu'à chez Madame Stick, non? Bonjour, vous êtes bien à la fourrière. Allô? J'ai un chien enragé dans mon... Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Bill, chez Madame Stick? Non, c'est impossible. T'imagines Bill chez son pire ennemi, toi? Bill, si tu m'entends, fais quelque chose! Aïe! Ouais! Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Nous allons donner suite à votre appel. Tu sens le savon à la fraise? Arrière, malheureux! Ce chien est enragé! Mais non, Madame Stick, c'est de la mousse de savon. Oui, je m'en doutais. Il n'a pas la rage, il a mangé du savon. Bon, ça va pour cette fois, mais attention, je ne veux pas que ton chien remette une patte dans mon jardin, compris? Sinon, Caporal... Caporal? Il a peut-être attrapé la maladie du sommeil. Il va falloir que j'aille le faire vacciner.
Je suis sauvée. Juste à temps pour aller chez le vétérinaire. Oh, allez, Bill, tu sais que c'est pour ton bien. Ça va aller. Ça y est, c'est fini. Ça alors, j'y crois pas, j'ai rien senti du tout. Et une aiguille grande comme ça, tu disais. Je te l'avais dit que c'était rien. Dire que t'avais peur d'une toute petite piqûre. Oui, bon, on a compris. Ah, je te cherchais, Bull. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Qu'on aille où? Oui, j'ai oublié de te dire, quand je cherchais le carnet de santé de Bill, je suis tombé sur le tien. Hein? On a loupé ton vaccin contre le tétanos, alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Dans 5 minutes. Hein? Ah! Mais enfin, Boule! Boule! À la moelle, j'adore ça. Burk, c'est pas les mêmes que d'habitude. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle recette améliorée avec des aubergines. Des aubergines? Mais les chiens, ça mange pas ça. Les légumes, c'est trop bon. Et en plus, ça fait une belle peau. Regarde-moi, par exemple. Tu veux quand même pas que je mange ce truc? C'est pas bon? Berk, en plus, ça sent mauvais. Hein? D'accord, j'ai compris, Bill. Je vais appeler le service client de Croquette et compagnie. Ils peuvent peut-être arranger ça. Oh, t'inquiète, Bill. Je vais te trouver un truc à manger. Des spaghettis froides. Alors, madame, monsieur, mon pauvre petit chien Bill ne veut pas manger vos nouvelles boulettes à la recette améliorée. Il a tout de suite senti qu'il y avait de l'aubergine. Avant, c'était ses boulettes préférées. Je suis fière de toi, Bull. Va falloir que je prenne un os de ma réserve, sinon je vais mourir de faim. Ah, Boule, tu as reçu un message. C'est vrai? C'est la réponse de Croquette et compagnie. Ils sont rapides. Waouh! Écoute-moi ça. Le directeur général de Croquette et compagnie est tellement impressionné par le fin palais de votre Bill qu'il a décidé de le sélectionner comme chien testeur de croquettes. Wouhou! Des croquettes à gogo! Ouais! Des croquettes à l'aubergine à gogo! Encore merci! Boule! Viens voir, tu as reçu un colis! Je veux le voir, je veux le voir! Ça vient de chez Croquette et compagnie. Merci, maman. C'est pour toi, Bill. Allez, ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Waouh! Il y a quoi comme parfum?
boulettes de poulet aux algues nourries, biscuits rose beef framboise, croquettes mangue saucisse. Bah ils sont un peu bizarres leur mélange, non? C'est encore pire que l'aubergine. Eh ben moi je trouve que ça a l'air très bon. T'es jalouse, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Bah reviens, c'était pour rigoler. Bill! Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais voir mes copains chiens. Eux, au moins, ils savent ce que c'est que de la bonne nourriture. Bizarre, comment ça bizarre? Elles sont mes sucettes, ton chocolat? Trop top, ouais. Je sais pas ce qu'il lui prend. Tu veux lire une BD? Ah oui. Oh, ça doit être Pouf, je reviens tout de suite. Hein? C'est Croquette et compagnie. Ils se sont trompés. La boîte qu'on a reçue était pour un magasin de farce et attrape. Faut surtout pas que Bill mange ces trucs. Oups. Allez vite, Caroline. Faut qu'on le trouve avant qu'il soit trop tard. Hé, hey Bill, c'est quoi cette boîte? Une surprise. Venez voir ça, les amis. Plein d'échantillons de nourriture pour chiens, de croquettes et compagnie. Waouh, c'est cool. Ouais, je suis leur nouveau testeur. Et je veux que vous soyez mes assistants, les copains. Nourriture gratuite pour tout le monde. Ah, ça c'est trop bien. Comment se court? Des beignets foie gras banane pour Ming et des cookies trip citron vert pour Pluche. Ah. Et des chips craquantes saumon fumé chewing-gum pour moi. Bah ça c'est pas banal. Ça a l'air trop beau. Ouais, c'est pas mauvais. Il devrait juste rajouter un peu de cannelle. Waouh, délicieux. Mais qu'est-ce qu'il fabrique cela? C'est une dégustation, tu dois pas t'empiffrer comme ça. Il faut apprécier chaque bouchée. Hein? Hé, hey, rendez-moi mes échantillons, bande de voleurs. Ils sont sûrement pas loin. Je me demande ce que ça va faire si Bill les mange. Peut-être que sa langue va devenir toute bleue. Bah, ou alors ça rend invisible. Et c'est pour ça qu'on le trouve nulle part. Oui, c'est peut-être transformé en aubergine. On va voir dans le parc. Waouh, c'était trop bon. Myrtille et moutarde, terrible la recette. Et si on faisait une balade digestive? Qu'est-ce qui te fait rire? Il est devenu complètement ouf. Bon, allez, les gars, on va... Oh non. Ça doit être les échantillons. J'espère que le vétérinaire va les soigner. Merci beaucoup, Croquette et compagnie. D'abord les aubergines et maintenant ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres chiens.
Bonjour. Oh, bonjour, Boule. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, c'est Bill et Ming et Pluche aussi. Ils ont... Allez, raconte-moi. Ils ont mangé des échantillons, mais c'était ceux d'un magasin de farce et attrape. Je vois. Plus vite, docteur, on a un peu plus doux. Voilà, ça devrait le faire. Mais non, c'est une blague. Ouvrez grand. Merci beaucoup, docteur. De rien. Oui, merci. Maintenant, faut qu'on aille rechercher la boîte d'échantillons. Enfin, ce qu'il en reste. Wow. Je vous avais dit de pas me piquer ma nourriture. Ah, te voilà! Ça fait des heures que je te cherche partout! Surprise! Qu'est-ce que c'est? Pas d'autres échantillons quand même. C'est un cadeau pour Bill de la part de Croquette et compagnie. Ils veulent se faire pardonner. Alors, ils ont recommencé à faire les boulettes préférées de Bill. Waouh! Et sur chaque boîte, il y a sa tête dessus. Ah, y a quand même rien de meilleur que les boulettes à la moelle. Tortue la plus mignonne du monde. Sauf que ta tortue ressemble beaucoup à une tortue alligator. J'ai vu un reportage là-dessus hier soir. Des animaux extrêmement dangereux. Mais oui, bien sûr. Elle va même devenir plus grosse que la maison. Notre mission est de neutraliser cette tortue avant qu'elle ne devienne géante et qu'elle ne détruise tout notre quartier. Oui, allô? C'est bien le zoo? Bien. Je vous appelle par rapport à la tortue de mes voisins. Je suis sûre qu'elle est dangereuse. Oh, non, elle n'est pas très grosse. Oui, mais on n'a vraiment pas le temps de discuter. Non, je n'exagère pas du tout, voyons. C'est ça, bonne journée. Puisque c'est comme ça, je vais aller la capturer moi-même pour l'emmener au zoo.
À tout à l'heure, Boule. C'est trop fatigant de jouer les monstres. J'ai bien mérité une petite sieste. Ça va être plus facile que je le croyais. Caporal, j'ai besoin de toi. Va chasser cet oiseau. C'est qui le meilleur? C'est qui le plus fort? Tricheur. On refait une partie? On va envoyer Georges. Qu'est-ce qui lui prend, un stack ferraille? Quelle bande d'idiots! Caroline est une espèce de tortue très dangereuse! Et je vais l'attraper! Alors comme ça, elle veut attraper Caro. Ouais, ben qu'elle essaye. On fera tout pour l'en empêcher. Ouais, on l'attend. Trouve un signal secret pour prévenir les autres si Madame Stick arrive. J'en ai un que je fais souvent. Super, Bill. Et le mien, ce sera... Mais bon, si t'es vraiment une tortue géante, où est-ce qu'on va te mettre? J'ai toujours su que j'étais unique. Waouh! J'ai déjà l'impression que je grandis à vue d'œil. Et en plus, j'ai super faim. T'es pas une tortue géante, t'es juste gourmande. C'est ça. Et toi, t'es jaloux. C'était quoi? Caroline, salade. Hé, je sais ce que tu manigances, caporal. Et ça va pas marcher. Oh non, c'est qui? C'est Madame Stick. Et elle m'a vu en plus. Qui est là? C'est la voisine, Boule. Ouvre-moi, j'ai apporté plein de salades pour votre adorable aligue... votre tortue, je veux dire. Merci, mais elle a pas faim. J'en viens. Mais prends-la quand même, on sait jamais. Laisse-moi tranquille, sale bête. On la reverra pas de sitôt, celle-là. Tu vas voir, je vais battre ton record de salto. J'ai trop faim. Je suis sûre que les tortues géantes doivent manger toutes les 2 heures, minimum. Tu vas devenir énorme et tu pourras plus bouger. T'es jaloux, c'est tout. Parce que je vais être plus grande que toi et surtout plus forte que toi. Regardez, tire bouchon. À nous deux. C'est pourtant bien. Hé, hey, au secours.
Tu vas lâcher, oui, vilain chien. Lâche-moi, Bill. Madame Stick est complètement zinzin. Faut qu'on cache Caro et qu'on trouve de l'aide. Bill, tu t'occupes de Caro, moi, j'appelle Pouf. Allez, Pouf, s'il te plaît, décroche. Allô? Pouf, j'ai besoin de toi. Tu peux venir? Bah, je suis au restaurant, là, mais on a fini, ma mère paye l'addition, pourquoi? Madame Stick essaye d'enlever Caroline. Elle dit que c'est une tortue géante et qu'elle devrait être dans un zoo. Une tortue géante? Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Bon, je t'attends, hein. Dépêche-toi. Bizarre. Bonjour, Pouf. Je t'ai entendu parler d'une tortue géante. Bonjour, docteur. Ah oui, en fait, c'est Boule, il m'a dit que... Oh, un vétérinaire! C'est ce qu'il nous faut. J'espère qu'il y a à manger là-dedans. Voilà, c'est parfait. Laisse-moi sortir. Je peux pas rester là-dedans, il fait tout noir. Tu préfères que je te mette dans le frigo? Oh non, c'est trop froid. Bon, faut qu'on te cache quelque part où elle te trouvera pas. Pourquoi pas dans le garage? Oh, oh non, 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 ça fait peur le garage. Allez, il faut vite qu'on te trouve une cachette. Ah ah, elle va pas regarder là-dedans. J'aime bien, c'est confortable. Faut que j'y aille. Madame Stick est dans notre jardin. Je l'ai vue escalader la haie. Mais après, c'est comme si elle avait disparu. Trop bizarre. Faut qu'on la trouve. Tu regardes par là, moi je regarde de ce côté. Oh là là, j'ai super faim, moi. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, c'est Caro. Oh non, elle est plus là. On doit la récupérer avant que Madame Stick l'emmène loin d'ici. J'ai une idée, viens avec moi. Ouais. Tu te rends compte, Nala? Une tortue géante dans notre ville. Tu seras beaucoup mieux au zoo qu'à côté de chez moi. Vous vous en sortirez pas comme ça. C'est parti. Merci, docteur. Tout le plaisir est pour moi. Je suis désolée, mais cette tortue est une tortue tout à fait ordinaire. C'est sa faute. Elle a dit que Caro était une tortue alligator. Elle est très dangereuse. Pas vrai? Non, pas du tout. Oh, c'est trop dommage. J'avais tellement envie de voir une tortue géante. Voilà ma facture. Bon, alors bonne journée à tous, madame. Bonne journée. Merci, monsieur. Ah, on s'est bien amusé. Moi, ça m'a donné soif, pas vous? T'es peut-être pas une tortue géante, mais pour moi, t'es quand même géante. Ça veut dire que je peux manger autant que je veux maintenant. Trop bon. Thank you.
Alors, tu devines toujours pas? Une cuillère? Tada! La balle carbondit le plus au monde! Youhou! Allez, venez, on va l'essayer au parc! Régalez-vous les piou-piou! Nala, arrête tout de suite. Merci. Nala, espèce de petite gourmande, tu n'auras rien d'autre aujourd'hui. Et attrape ça. Ah oui, elle rebondit bien. Hé, attention. Waouh! Ah oui, elle rebondit vraiment bien là! Waouh! Trop cool! Ah. Waouh! Vous reprendrez bien du thé! Hé! Vite! Elle va rebondir dans la rue! C'est ta balle? Oui. Elle est méga dangereuse. Elle a surgi de nulle part et a percuté mon scooter. Je suis vraiment désolée, monsieur. Eh ben, la prochaine fois, fais attention et mets-toi loin de la route. Ah, j'espère que mon scooter n'est pas cassé. Bon, il a l'air de marcher. Aïe! Est-ce que ça va, monsieur? Comment je vais faire? Il faut que je livre tous mes sushis avant le déjeuner, moi! Ah, ne vous inquiétez pas, on peut le faire pour vous! J'ai une petite remorque! Aïe! Allez, c'est d'accord! Voici la liste de tous les clients. Surtout, ne perdez pas trop de temps. Vous pouvez compter sur nous. Vous verrez, les noms des clients sont aussi sur les sacs. Eh oh, qui a commandé des sushis? Alors, alors, qui est le premier sur la liste? Madame Stick. Ah oh bah ça commence bien. Je croyais qu'elle ne mangeait que du chou-fleur. Tu crois qu'elle est rentrée? Allez, viens avec moi. Quelle boule mouillée. Oh. Alerte, alerte, intrusion. Qu'est-ce qu'ils mijotent ces deux-là? Elle est peut-être dans le jardin. Madame Stick? Madame Stick! Alors, vous venez fouiner chez moi tous les deux? Non, Madame Stick, on vient vous livrer vos sushis. C'est parce que le livreur, ben... il a un problème de scooter. Oh, je suis désolée de vous avoir crié dessus. Je vais vous chercher un petit quelque chose. Et voilà, tenez. Elles sont peut-être empoisonnées. Dis pas n'importe quoi. Bill? Oh non, Bill, est-ce que ça va? Trop bon! C'est génial de livrer des sushis. Ouais. C'est pas toi qui tire la remorque. Prêt? Parti! Le prochain client, c'est le gardien du musée. Hé, mais vous allez où? Et
Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des sushis qui ont volé par-dessus les buissons, vite! Oh non! Hé! Hey, rends-nous nos sushis! Tu rigoles? Ils se seraient écrabouillés par terre si je les avais pas rattrapés. Donne-les-moi! Pas de problème. Oh non! Maintenant, je ne sais plus quelle boîte est pour qui. Livraison de sushis! Oh. Votre déjeuner! Oh, merci beaucoup! C'est vraiment fastoche de livrer des sushis. Mais c'est pas mes sushis, ça. C'est bien ce que je pensais. Il y a plein d'avocats dedans. Bon alors, c'est qui le prochain client? Parler de sushis tout le temps, moi en tout cas, ça me donne faim. Qui va avoir ses sushis? Moi. Allez, revenez. Attendez-moi. Ça, ce n'est pas ma commande de sushis. Je suis allergique à l'avocat. Je suis vraiment désolée, monsieur. Oui, eh bien, tu feras attention la prochaine fois. Une seule bouchée d'avocat et je peux me transformer en tomate. Axel. On n'a pas le temps, on est en retard. Ils savent même pas livrer des sushis. Bon appétit. Le bouton. Bon appétit. On est des pros de la livraison. Ouais, les meilleurs au monde. On n'a plus qu'une commande à livrer au salon de toilettage. Livraison de sushis. Des sushis. Bill, regarde. Alors Caroline, c'est maintenant que tu arrives? J'essaye de vous rejoindre depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à m'arrêter. Oh, merci Bill. Attrape. Ah, bah j'en peux plus moi. Oups. Et voilà, tu es toute belle maintenant. Allez, je peux y retourner. Je veux prendre un bain, un bain. Vos sushis. Bonjour, Boule. C'est toi qui livres les sushis maintenant? Oui, parce qu'en fait, le livreur, il a eu un problème, donc on lui a proposé notre aide. Oh, c'est gentil de ta part. Quoi? Oh non, le sac a disparu. Ah bon? Mais c'est pas possible! Il était encore là quand on est arrivé! Quelqu'un a dû le voler pendant qu'on était dans le salon! Axel! T'es sûr que c'est pas toi qui les a mangés? On les a pas mangés, je le jure! On va trouver le coupable et on va le ramener! Oh non, pas question! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Bon, allez, Boule, dis-moi la vérité. Sinon, je te préviens, je vais devoir appeler tes parents. Mais non, je suis sûre que c'est un malentendu. Qui veut une tasse de thé pour se détendre? J'attends. Mais c'est pas nous, je vous le jure. Bill, il faut qu'on fasse quelque chose. Allez. Un bain, d'accord, juste un petit bain. Allez, Boule, dépêche-toi, on va pas y passer la journée. Ah ah! Hé! Hey, attention, le chien s'échappe! Vous voulez une tasse de thé? Si seulement il savait! Vous allez rendre les sushis, bande de voleurs! Oh! Attrapez-les, vite! Hey,
voilà. Le voilà, la voleuse. Moi? Mais non, j'étais juste en train d'être... Je suis vraiment désolée, elle vous a attiré plein de problèmes. Vous avez dit que c'était pas nous. Oh, je suis vraiment désolée, Boule. Bravo et bien joué, Bill. Et voilà ta récompense pour avoir trouvé le voleur, Bill. Merci. Et en plus, tu pourras venir quand tu veux pour faire un brushing au salon. Non mais c'est une blague, j'espère. Oh. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'aurais dû vous faire confiance, les amis. Vous avez fait du beau boulot. Et pas. Oh. Oups. Caroline, t'es encore allée fouiner dans les salades? T'inquiète, tu vas être toute belle. Mais je suis déjà toute belle, hein, Bill? Craquante. Boule, ah. Tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Désolée, une urgence. À toi de jouer, Bill. Pas besoin, il me prend pour qui? Place aux professionnels. Avec moi, tu vas être brillante. J'ai besoin de nouvelles lunettes pour lire et je suis tentée par ces montures en écailles de tortue. T'en penses quoi? Quoi? En écailles de tortue? Non mais ça va pas la tête! Ah oui, pas! Ça tirait drôlement bien! Nom d'un os! Qu'est-ce qu'ils fabriquent derrière cette porte? Ah. Elles sont chouettes, c'est vrai. Mais tu trouves pas qu'elles me font un gros nez? Pas du tout! Elles sont hyper stylées! Et regarde, tu peux même choisir la couleur que tu veux! Je veux qu'elle soit de la même couleur que Caroline. Ah. Ce serait parfait. Mais il faudra que je l'emmène chez l'opticien avec moi. Je sais où elle est. Je vais la chercher. Non mais je rêve. Ils veulent te piquer tes écailles pour en faire des lunettes. Et Boule est dans le coup. C'est pas un rêve, Bill. C'est un cauchemar. Ma carapace, au secours. Pas de panique, Caro. Primo, je t'évacue. Deuxio, tu vas te cacher. Troisio, je m'occupe du reste. Allez, hop. Caroline. Caroline. Caroline, j'ai une belle salade pour toi dans la cuisine. Caro, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Chut. Caro. Caroline. C'est vrai? Mais c'est trop horrible. Bouge pas de là. Je vais les faire changer d'avis. Robin, tu me siffles s'il y a du danger, d'accord? D'accord, t'inquiète, question signal, je connais la musique. Elle est pas là non plus. C'est bizarre, d'habitude c'est toujours là qu'elle se met pour être à l'ombre. Je crois que j'ai compris. Elle joue à cache-cache, exactement comme ce coquin de caporal. Bill! Oui, c'est ça. Et je sais même où elle est cachée. Mais je vous le dirai jamais. On dirait que Bill sait où elle est. Allez, Bill, aide-nous un peu. Caroline, il y a une belle salade qui t'attend. Trop fastoche. Bill, allez. Café? Ouais, pourquoi pas. Non, pas de lunettes tu ici. Tu préfères le tennis? Non, le rien tennis non plus par là. Oh, bingo. Caroline, vite, sauve-toi. Merci, Robin. Va-t'en, va vite te cacher autre part. Mais c'est l'heure du goûter. Oh.
quel joli petit oiseau. Madame. Oh, mes lunettes. Merci, monsieur Moustache. C'est pour la bonne cause. Je vous les rapporte très vite, je vous le promets. Caroline? Pas là non plus. Tenez, en voilà des lunettes. Maintenant, hein? Vous laissez Caroline tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça, Bill? Tu les as prises à qui, ces lunettes? Hein? Va les rendre immédiatement. Qu'est-ce que t'as, Bill? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Mais ils ont des croquettes dans le cerveau ou quoi? Ils peuvent pas la lâcher. Ah, mais je sais, hein? Elle doit être dans la cuisine. Caro, vite, les écailleurs arrivent. Caro! Bill, ça suffit. La comédie a assez duré, laisse-nous passer. Mais où est-ce qu'elle est? Quelle horreur, j'ai rêvé que j'avalais une mouche. Mais où sont passées mes lunettes? Oh, c'est pas vrai. Bill n'a pas l'air d'aimer le nouveau produit pour le sol. Caroline a disparu et même Bill n'arrive pas à la retrouver. Oh, c'est malin! Je vois rien du tout sans mes lunettes. Si je retrouve celui qui me les a volées, je... Qu'est-ce qu'il fait là, ce vase? Oh, qui est assez bête pour planter un arbre à cet endroit? J'imagine que c'est moi. Oh, j'aurais dû acheter un appartement. T'inquiète pas, on va la trouver. On va fouiller derrière chaque brin d'herbe s'il le faut. Allez, c'est parti. T'inquiète pas, Boule. Elle doit pas être bien loin. Caroline! 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 Hein? Je cherche ma tortue. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Non! Hein? Et sors de là! Je veux juste un petit câlin! Bon débarras! Caroline! Bill! Vous êtes où? Toujours aucune trace de mes lunettes! Et voilà! Bon, je vais me faire un thé, moi! Aïe! Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Elle a changé de cachette, Bill. J'ai pas pu te prévenir, il y avait Caporal qui essayait de me croquer. Ah, celui-là! Qu'est-ce que j'ai envie de lui nouer les moustaches! Allez, on fonce! Oh, c'est pas du thé, ça! On dirait... du poivre! Surprise! Laisse-toi tranquille! Laisse cet oiseau tranquille, Caporal! Caro! Qu'est-ce que vous voulez? Parlez plus fort, j'y vois rien du tout! Bonjour, Madame Stick! Vous n'auriez pas vu notre tortue par hasard? Non! Dites donc, voisin, vous n'auriez pas vu mes lunettes par hasard? Vos lunettes? Ah non, non, pas du tout, du tout. T'inquiète pas, on va la retrouver. Caroline n'a pas pu s'envoler. Allez, viens, fiston. Tu veux que je te dise, j'ai jamais vu un vase aussi beau.
Caro! Te voilà! Brigand! Cours, Caro, cours! Voleur d'écailles! Caroline! Caroline! Bill, mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Ça suffit! Viens par là, Caroline! Laisse-la tranquille! Bill, reviens! Arrêtez! Vous ne toucherez pas à une écaille de ma Caro! À vous de jouer! Place au plan D! Comme dernière chance! Tiens-toi prêt! Oh là là! Waouh! On n'y arrive pas, elle est trop lourde! Accroche-toi! Bill, arrête tes bêtises! Bill! Je la tiens! Raté! Par ici, Caro! Mais qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Bonjour, monsieur, vous avez perdu quelque chose? T'inquiète pas, Caro. Je vais t'emmener super loin d'ici et on ne te retrouvera jamais. Oh, arrête, Bill. J'abandonne. Laisse-les prendre mes écailles. J'espère que ça fera pas trop mal. Ah, voilà. C'est pas trop tôt. Pourquoi tu voulais te cacher, ma Caro? Je viens d'avoir l'opticien au téléphone. Pas besoin de lui amener Caroline. Il suffit de prendre sa carapace en photo et de lui envoyer pour qu'il ait la bonne couleur. Mais alors, ça veut dire que vous voulez plus lui piquer ses écailles? Oh, d'accord, je comprends. Mais non, on ne va pas prendre les écailles de Caroline. Même pas en rêve. Je veux que mes lunettes aient la même couleur que sa carapace, c'est tout. Je l'adore, notre tortue. Un voleur de lunettes? Oh, inutile d'aller porter plainte, madame Stick. Je sais qui nous les a empruntées. Waouh! Ah oui, elles te vont vraiment hyper bien. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Merci, Caro, de me prêter ta couleur. Regardez, elles vont bien avec ma carapace, vous trouvez pas? Ouais. T'en veux pas une paire, Bill? Non, merci. Moi, les lunettes, j'en ai par-dessus les oreilles. Bill, il y a du monde pour toi. Oh, oh, chaud devant. J'ai bien entendu, quelqu'un a besoin d'aide. Ha! Ya! Youhou! Oh oui! À l'aide, Bill! On joue à Max, là! Je suis Max, pas Bill! Ah oui! Pardon! Au secours, Max! Oh, Max, tu es mon héros! Non, je ne fais que mon devoir, princesse, c'est tout à fait... Oh là là, Altopus! Hein? C'est quoi le rapport? Je ne joue plus, là. Ming? Tu sens l'antipuce à pleine truffe? Ouais, m'en parle pas. Mes maîtres, ils m'ont aspergé de Altopus. Ça sent mauvais, ça gratouille et en plus, je peux même plus me lécher à cause du goût. Peut-être, mais avec ça, au moins, les puces ne resteront pas longtemps. Oh, bref, je peux jouer à Max avec vous? Ça me changerait peut-être les idées. Ah non, pas tant que t'es plein de puces. J'ai pas envie de sentir la vieille poubelle, moi. Super, et bah puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. T'as été un peu dur avec Ming, Bill. C'est pas sa faute. Oh, ça va, c'était pas si méchant. Et puis je suis sûr qu'il fera un super dresseur de puces. Bravo, à mon tour. Hé, hey, regardez ce que je sais faire. Yeah. Oh non, Bill a des puces. Pouf, occupe Bill le temps que j'aille le dire à mes parents.
prends l'autre. Ils veulent ma place sur le trampoline et en plus, il faut que je l'occupe. Oh non! La dernière fois qu'on a dû lui mettre de la lotion anti-puce, c'était l'enfer! C'était carrément pire que le bain! Bon, allez, je vais le faire. Il y a forcément une autre solution. On pourrait lui mettre un collier anti-puce. Tu parles, il va le flairer à des kilomètres! Et il se laissera jamais mettre un deuxième collier! J'ai une idée, faites-moi confiance, je sais comment faire! Plus vite, Boule, je crois que c'est contagieux. Alerte, Altopus repéré. Écoute, Bill, désolé, mais je crois que t'as attrapé quelques puces. Même pas vrai. Tu te grattes beaucoup quand même. Pas du tout. Et de toute façon, je remettrai jamais de Altopus. Si seulement je trouvais... Plus bas, un peu plus à gauche. N'aie pas peur, ce n'est pas de la lotion, c'est juste un collier. Pas question. Cette horreur sent la vieille croquette pocha. J'ai une réputation à tenir, moi. Et hop. Ça, c'est vrai. Et puis d'abord, j'ai même pas de puce. Dommage, tu ne connaîtras jamais le pouvoir très spécial que ce collier donne à celui qu'il porte. Hein? Un pouvoir très spécial? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être comme dans Max. Tu sais, l'épisode où il a un collier magique et ça le rend super méga puissant. Tu crois? Je crois que j'ai peut-être quelques puces finalement. Ah! Tu vois quand tu veux. Oh, yahoo! Alors, tu te sens comment? Bah en fait, à part l'odeur, je me sens pareil. Maintenant, faut qu'on occupe Bill pour qu'il arrête de penser à ses puces. Je te parie que personne n'est assez fort pour me prendre la balle. En tout cas, moi, je suis pas assez fort. C'est ça. Je suis sûre que le collier va me rendre super fort, comme dans l'épisode où Max soulevait un avion. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bon, je vais commencer doucement en soulevant la maison. Écarte-toi un peu, au cas où. Je suis prête. Bon, on oublie le ballon. Faut trouver une autre idée. J'ai l'impression que ce collier a un drôle d'effet sur Bill. Oh, c'est très lourd une maison. Mais oui, on est bête. La maison, c'est impossible, elle est collée au sol. Tu peux pas soulever toute la planète. Bien vu. Alors peut-être que... C'est encore trop lourd. C'est encore un peu trop lourd. J'ai réussi. Bravo, Bill. Tu vas bientôt pouvoir nous faire un numéro de cirque. Le collier de Max était plus efficace. Boule a dit qu'il avait un pouvoir spécial, mais il a pas dit ce que c'était. Maintenant qu'on sait que c'est pas la super force, faut chercher un autre pouvoir. Zut, ils vont finir par comprendre que ce collier n'est pas magique. Il nous suffit de leur faire croire qu'il l'est. Bill! Oh, Bill! Bill, tu es où? Ici, Bill, je suis là. Je suis là, je suis pas invisible quand même. Où est-ce qu'il est passé? C'est ça. Mais oui, t'es devenu invisible. Mais tu me vois, toi? Moi, ça compte pas, il faut aller tester sur quelqu'un d'autre. Non, mais ça va pas la tête. Ils sont vraiment bizarres, les chiens de ce quartier. Bon, t'es pas invisible. Invincible? Ah non, c'est pas ça. Tu peux passer à travers les murs. Oh, je crois que t'es passé un petit peu à travers. Ou pas. Tu peux voler?
maintenant. Il pense vraiment qu'il est magique, ce collier? On dirait. Je sais pas ce que c'est, ce pouvoir très spécial, mais il est bien caché. Bravo, Bill! T'as été très fort. Maintenant, t'as plus besoin de ça. Il a fait effet. Les puces, c'est fini. Mais, et mon super pouvoir, je lui dis adieu? Il faut absolument que je récupère ce collier. Ce collier restera enfermé jusqu'à nouvel ordre. Il est extrêmement puissant, tu sais. Ce n'est pas un jouet. Adieu, mon super pouvoir. Oui, je crois qu'ils ne te redonneront le collier que si tu as des puces. Oh, Caro, tu es génial. Vite, on va aller voir Ming. Ça y est, j'ai plus de puces. On peut jouer à Max, du coup. Non, pas si t'as plus de puces. Hein? Mais... Comment t'avais attrapé tes puces? Bah, c'est Caporal. Il m'a refilé ses puces au salon de toilettage. Caporal... Salut, Caporal. Comment ça va? T'as super bonne mine, mon pote. Tes griffes sont carrément bien assorties au blanc de tes yeux. Superbe. Et quel poil soyeux. On peut te toucher. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux juste passer un peu de temps avec mon super voisin, rien de plus. Ouais, bah ton super voisin, il est pas du tout intéressé. Oust, sac à puce. Sinon j'appelle la police, l'armée et un avion d'agent secret. Bill, viens jouer avec nous au lieu de faire des bêtises. J'ai pas dit mon dernier mot. Oh non! Bill! Attention! Salut, copain! Oh là là, je fais un cauchemar ou quoi? Au secours! Je crois que c'est pas un rêve! Bill! Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un câlin, copain. Mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi tes puces! Donne-moi tes puces! Sors de chez moi, vaurien! Mais ça va pas, Bill? Oh non, ça recommence. À cause de votre cabot mal élevé, mon superbe chat a attrapé des puces. C'est inadmissible. Traitez-le au plus tôt ou c'est la fourrière qui s'en chargera. On est désolé, Madame Stick, on va s'en occuper tout de suite. Je savais que ça marcherait. C'est dans la poche à moi le collier au pouvoir très spécial. Ce collier n'est vraiment pas efficace. Poubelle. Bill! Bill! Caporal! Caporal! Bill! Bill! Caporal! Bill! Caporal! Bill! Je me demande bien ce que c'était le pouvoir du collier. Moi je sais. Peut-être qu'il avait le pouvoir de rapprocher les pires ennemis. Thank you.
Cette année, je prends ma revanche. Oh, Boule, t'es bien matinale aujourd'hui. T'as pas oublié que c'était les vacances quand même. C'est surtout le jour du concours du chien qui a le plus de chiens. Celui que Bill a perdu l'an dernier? Oui, mais cette année, Bill va mettre la pâtée à Roquette, j'en suis sûre. Et tu es sûre que Bill veut participer? Oui, évidemment, il adore les concours. Je veux pas y aller. Allez, courage, tu vas pouvoir prendre ta revanche sur Roquette. L'année dernière, je m'étais fait shampouiner et parfumer. Pouah, non merci. Mais Boule alors? Hors de question d'y aller. J'ai une idée. Tu vas voir. Allez, debout, Bill, c'est le grand jour. Bill, est-ce que ça va? Papa, maman, Bill est malade, venez vite. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très en forme. Mais c'est aujourd'hui le concours. Boule, Bill est vraiment mou des oreilles ce matin. Bill, bon, on gagnera pas non plus cette fois. Oui, tant pis, on va plutôt l'emmener chez le vétérinaire. Ça a peut-être un petit peu trop bien marché. Ne t'inquiète pas, Boule, Bill est un peu fatigué, mais il n'a rien de grave. Une journée de repos lui fera du bien. Adieu le concours. Par contre, c'est vrai que son poil manque un peu d'éclat. Je crois qu'un petit régime de croquettes vertes spéciales brillantes s'impose. Oh non! Pas les croquettes vertes, elles ont un goût de salade et de vieux champignons. Donc, pas de concours cette année. Non, mais de toute façon, fatigué comme il est, il n'aurait pas pu profiter de la récompense. Un buffet de croquettes premium à volonté. Les croquettes rouges? Mes préférées! Bon appétit, Bill! Merde! Ces croquettes sont encore pires que dans mes souvenirs. Elles ont pas un goût de salade et de vieux champignons, elles ont carrément un goût de gazon et de morue moisie. C'est quand même mieux que le concours, non? En fait, non. Cette année, j'aurais pu gagner des croquettes rouges. Au lieu de ça, je suis obligé de faire ce régime stupide. Oui, ben, fallait pas mentir. Caporal, ces croquettes vertes sentent super bon. T'en veux? Caporal! Bill, il faut que tu les manges, ces croquettes. Tu vois, pas la peine de faire la comédie. Bonjour les amis, prêts pour le concours du chien qui a le plus de chiens? Cette année, nous vous avons préparé de toutes nouvelles épreuves. Hein? Hé, qu'est-ce qu'il fait, Bill? Ouais, il devrait déjà être là. Mon ventre a trop envie de ce buffet de croquettes rouges à volonté. T'as qu'à dire à Boule que t'es pas malade, finalement. Faut que tu restes calme, Bill. Le vétérinaire a dit du repos. C'est pas grave pour le concours, Bill. Allez, viens. Tu vas plutôt manger quelques croquettes. C'est bien. Bravo, Bill. Allez, viens. Je vais te lire ma BD si tu veux. Hé, tu veux mes croquettes? Ok, je te les donne toutes si tu m'aides à aller au concours. Si je comprends bien, tu me demandes de faire équipe avec toi? Bon, allez, d'accord pour faire une trêve. Mais pas question de devenir ami, hein? Ah ça, non! Pour aller à ce concours, va falloir réussir à distraire Boule. Bill! Bill!
qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Ben, on est copains. Montre-lui. D'accord. Vous pouvez jouer ensemble si vous voulez, mais je vous tiens à l'œil, hein. Bill doit se reposer aujourd'hui, alors pas de dispute. Et si tu te peignais en orange pour te faire passer pour moi? Pas crédible, j'ai pas des oreilles d'éléphant. Et si on faisait plutôt tomber plein de casseroles sur la tête de Boule pour l'endormir? Non mais ça va pas la tête. Ben quoi, sur moi ça fonctionne bien d'habitude. Je sais, on a besoin de George. Ouais. Mais pourquoi faire? Parce que comme ça, il m'en va. Fais dodo dans ta niche, je m'occupe de tout. Je suis tellement fatiguée. Repose-toi, je monte la garde. Bon, alors, voyons voir de quoi tu es capable, mon petit George. C'est parti. Ne fais pas de bruit, caporal. Bill doit se reposer. Arrête, caporal. Bienvenue, George. Ce chat est complètement zinzin. Mesdames et messieurs, voici la prochaine épreuve. Je veux participer au concours. Oh, c'est trop tard, Bill. Le concours a déjà commencé. L'an prochain, peut-être. Ou peut-être pas. Oh, les croquettes rouges. Bien, Bill, avec plus, on perd toutes les épreuves. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah bon? J'ai raté quoi? Ben, d'abord, fallait aider une vieille dame à traverser la rue. Après, il fallait attraper un ballon en haut d'un poteau. Ah, au secours! Ah bah t'as gagné alors. Tu me donneras bien quelques croquettes. Allez, pour un vieux copain. Bah j'aimerais bien, mais... C'est Roquette qui remporte cette épreuve. Loulou et Roquette sont maintenant à égalité. Oh là là, je suis fichue. Il reste plus que l'épreuve de l'aboiement le plus mélodieux. Je supporterai pas de perdre deux années de suite. Je vais t'aider à gagner. Merci, Bill. T'es vraiment un copain. Ouais, et un vrai copain, ça a droit à la moitié des croquettes premium, tu crois pas? D'accord. Bull, j'ai quelque chose à te dire à propos de Bill. Ah bon? Bill! George? Caporal! Mais où est Bill? Bill! 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 Place à l'épreuve de l'aboiement le plus mélodieux. Quelqu'un saigne le bouton du volume. Bill, attention, Boule va arriver. Mais comme c'est pas ma faute, je veux quand même mes croquettes. Tu n'auras pas de croquettes vertes tant que j'aurai pas mes croquettes rouges. C'est compris? J'ai perdu. J'ai perdu. On va devoir faire équipe, caporal. Roquette au pied.
Que quelqu'un nous aide! Au secours! Loulou, à ton tour. Ça suffit! Loulou et Rocket, vous êtes éliminés! Le gagnant par défaut est donc... Ah, merci les copains, j'y serais jamais arrivé sans vous. Je propose donc de partager toutes les croquettes rouges. C'est le meilleur discours que j'ai jamais entendu. Bill, écoute, on a quelque chose à te dire. C'est que ce matin j'ai fait une petite erreur avec tes croquettes. Au lieu de te donner des croquettes pour chien, il t'a donné des croquettes pour chat. On est vraiment désolé. Je crois que j'ai mal au ventre, pour de vrai. Tu vas vite retrouver l'appétit, j'en suis sûre. Et pour se faire pardonner, le vétérinaire t'offre un sac de croquettes premium. Hey, mais Caporal, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Oh, la ramène pas trop, espèce de mangeur de croquettes pour chat.